Bien, bonjour à toutes et à tous. Je vais vous raconter une très courte vidéo sur ces moments où Maurice Genevoix et sa section sont temporairement au repos et où vraiment ils souffrent. Ils ne souffrent pas. Et où ils voient d'autres tirailleurs qui les remplacent en quelque sorte, qui vont au combat, qui eux vont déguster. Voilà. C'est de courts moments, c'est de courts moments, mais qui méritent qu'on les mentionne. Le sommeil, j'ai donné le titre oublieux des combats. On oublie tout. On veut oublier. C'est ici que je passe la nuit. Les branches dont le sol est jonché m'entrent dans les flancs. Les branches. C'est dans des bois. Pendant ce temps, nous avons moins souffert. Très peu de mots pour dire que ça va mieux, ça va mieux. On ne souffre plus. Car pendant les combats, qu'est-ce qu'on souffre? Qu'est-ce qu'on souffre? Souffrir. On ne sait plus ce que c'est presque, sauf certains cas, bien sûr. Voilà. Pendant ce temps, au moins, on souffre moins. Nous avons regardé les tirailleurs qui sortaient du bois et partaient à l'assaut vers la crête. Leur ligne mince qui progressait vers Combres, une ligne mince qui progressait vers Combres, trop loin de l'autre côté du col, oui, très loin quoi, de l'autre côté du col, au combat. Ils sont revenus par petits paquets, de très petits paquets. Très petit, clairsemé. Combien de morts? Peut-être la moitié. Petit paquet, clairsemé. Combien de morts? Les épingles. Plus on avance dans la lecture, plus on peut se réjouir de ne pas être de cette n'a pas avoir été de cette génération-là où il fallait s'endormir pour moins souffrir. Bien. Voilà une courte vidéo paisible dans la paix parce qu'on souffre moins. Voilà. Eh bien, je vous souhaite d'être en pleine forme, si possible. Voilà. Au revoir à toutes et à tous.